Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur les podcasts de la chambre L. Cette fois-ci, on va faire un hors-série qui n'en est pas vraiment un parce qu'il vient compléter et affiner un petit peu ce qui a été dit dans le hors-série précédent et dans l'ensemble des podcasts qui ont été faits jusqu'ici. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à des lectures de passages du Dharma Artha Kamma, de l'Anangarama et du Parfumé de Garden, que je vais mettre en parallèle avec ce qui a déjà été dit. Alors il faut savoir que ces guides ont plus de 1000 ans et qu'ils étaient enseignés essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, aux hommes, pour leur apprendre à choisir une femme qui va leur correspondre. Et là où j'ai un petit problème avec ces guides, c'est qu'ils mettent en avant l'union sexuelle qui va provoquer le désir de rester avec l'autre pour pouvoir s'épanouir, former un couple et garder la sexualité. J'aurais une tendance à dire qu'à l'heure actuelle, on est un tout petit peu plus évolué et on a des besoins qui ont un tout petit peu évolué. Et ce serait beaucoup mieux de s'intéresser à une personne à la fois pour son attrait physique qui va attirer notre regard et donc créer le désir, pour avoir une affinité avec cette personne, donc passer du temps avec, qui va permettre d'ouvrir la porte de la sexualité consentante, sexualité qui va permettre de générer le besoin de continuer à être avec cette personne, qui va réouvrir à son tour la porte de la sexualité. Mais bon, on parle de guide qui remonte à bien loin dans le passé, et les mentalités étaient un tout petit peu différentes. Il faut savoir que ces guides étaient donc expliqués aux jeunes hommes et que tout ce, qu'à défaut de codes sociaux qui étaient identiques aux nôtres, c'était plus compliqué d'aborder une jeune femme et donc ils devaient avoir conscience de leur propre corps et pouvoir se fier à ce qu'ils voyaient du corps de la femme qu'ils allaient aborder pour pouvoir l'aborder et former un couple potentiellement harmonieux. Et donc la base pour ces guides-là, c'est que si la sexualité n'est pas compatible, le couple ne pourra pas perdurer. L'homme aura beau faire tous les efforts qu'il veut, si la femme est insatisfaite sur le plan de la sexualité, la femme ne restera pas avec l'homme. Voilà, cette petite introduction étant faite, on va commencer avec le Dharma Artha Kamma, qui nous dit que l'être humain se divise en deux catégories, à savoir le masculin et le féminin, et que chaque catégorie se divise en trois sous-catégories, à savoir chez l'homme, donc dans le masculin homme, on retrouve l'homme lièvre, l'homme taureau et l'homme cheval. Et ceci dépend de la taille de son sexe, c'est-à-dire de son lingam. Et chez la femme, donc du côté féminin, on retrouve également trois catégories, à savoir la femme cerf, la femme jument et la femme éléphant. Ceci étant dépendant de la profondeur de son vagin, donc son yoni. Ainsi, on retrouve trois unions égales et six inégales. Les unions égales étant l'homme lièvre avec la femme cerf, l'homme taureau avec la femme jument et l'homme cheval avec la femme éléphant. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ces termes-là un peu plus loin. Et ainsi, il existe six unions inégales. Les unions inégales étant quand le sexe de l'homme est disproportionné face au sexe de la femme, et là on parle d'union grande, forcément. Et donc lorsque le sexe de l'homme est plus grand que celui de la femme, on parlera d'union haute. Il en existe deux, l'homme lièvre et la femme jument, l'homme taureau et la femme éléphant. On parlera d'union très haute dans le dernier cas de figure, à savoir l'homme lièvre et la femme éléphant. Et d'une certaine manière, c'est logique, puisque l'homme lièvre a un petit sexe, l'homme taureau a un sexe de taille moyenne, l'homme cheval a un grand sexe. Si on considère la profondeur du vagin de la femme cerf a un petit vagin, la femme jument a un vagin de taille moyenne, la femme éléphant a un vagin de taille très grande. Et donc, un homme avec un petit sexe qui se mettrait avec une femme qui a un très grand sexe, ne pourra pas la satisfaire. De même, un homme avec un sexe moyen et une femme avec un sexe petit
ou très grand, ben, elle ne sera pas satisfaite. Et enfin, un homme avec un sexe de très grande taille va blesser une femme avec un sexe de petite taille et pourrait blesser une femme avec un sexe de petite taille, de taille moyenne. À l'inverse, si c'est la femme qui a son sexe plus grand que celui que l'homme, on parlera d'union basse. Ainsi, la femme cerf qui se mettra avec un homme taureau ou la femme jument qui se mettra avec un homme cheval, ou d'union très basse dans le dernier cas de figure, à savoir la femme cerf et l'homme cheval. Ainsi, si les deux partenaires souhaitent prendre du plaisir intense, ils devraient avoir des sexes compatibles ou être approchants. Et d'une certaine manière, c'est normal. Comme je l'expliquais, si la taille des sexes est incompatible, le rapport sexuel ne sera soit pas satisfaisant pour l'un des deux, soit douloureux pour l'un des deux. Et donc, l'union ne pourra pas être consommée. Et si l'acte d'amour est absent de la relation, ben, la relation ne va pas durer parce qu'on se met en couple pour s'épanouir également sur le plan sexuel. Également, toujours d'après le Dharma Arthakama, on peut parler d'union selon la passion ou du désir charnel. Ainsi, un homme de petite passion, lorsque son désir pour l'autre au moment de l'union n'est pas grande et qu'il ne supporte pas les étreintes chaleureuses qui sont données par la femme, ou qu'il ne provoque pas lui-même ses étreintes, ne devrait pas se mettre avec une femme qui a un tempérament à vouloir des câlins et à vouloir de la tendresse. Ceux qui diffèrent un peu de ce tempérament sont appelés des hommes de moyenne passion. Ceux qui provoquent et qui aiment les étreintes passionnées sont des hommes dits pleins de désir. Cela s'applique également aux femmes, exactement de la même manière. Ainsi, un homme avec une petite passion ne supportera pas une femme de grande passion, elle-même se sentira rejetée avec ce type d'homme. Un couple formé de l'un d'une moyenne passion avec l'autre d'une faible passion ou d'une passion forte pourrait trouver un équilibre, l'idéal étant d'être sur le même degré de passion avec son partenaire. C'est ce que je disais, selon le besoin affectif que vous avez, vous devriez vous trouver avec un partenaire qui en a un similaire. Si vous avez besoin d'énormément de tendresse ou que vous aimez donner de la tendresse à l'autre, il vous faut un partenaire qui soit réceptif. Si au contraire vous n'aimez pas le tactile, ça ne sert à rien de se mettre avec quelqu'un qui a besoin de vous prendre dans vos bras, parce que vous allez vous sentir frustré, rejeté, ou au contraire d'en demander trop à votre partenaire qui, lui, n'aimant pas en faire ce genre de câlin, de tendresse, sera incapable de vous les donner. Et donc si la passion, le désir d'être près de l'autre n'est pas similaire pour les deux partenaires, le couple ne peut pas durer. Également, toujours d'après le Dharma Arthakama, on peut parler du désir charnel et de la vitesse à atteindre l'orgasme. Ainsi, il y a ceux qui jouissent vite, moyennement vite ou très lentement, ce qui forme également 9 types d'unions dont l'épanouissement dépend exclusivement de la vitesse à atteindre l'orgasme. Comme déjà expliqué, si l'un atteint son paroxysme beaucoup plus vite que l'autre, l'autre en sera frustré. Et c'est normal. Si l'homme jouit très vite et que la femme a besoin d'un rapport étendu, ça va marcher une fois, deux fois, la troisième fois, elle n'aura plus envie de sexualité. Pourquoi ? Parce qu'elle n'atteint pas l'orgasme. Au contraire, si c'est l'homme qui a besoin de temps pour atteindre la jouissance et que c'est la femme qui atteint l'orgasme à une vitesse très rapide, l'homme n'aura pas le temps de prendre son plaisir et au bout d'un moment, il n'aura plus envie de sa compagne parce qu'il n'atteint pas l'orgasme. Alors, toujours d'après le Dharma Arthakama, il faut noter une différence entre l'homme et la femme sur ce sujet. L'homme cherche à atteindre l'orgasme, la femme a conscience de son plaisir. Elle est à la recherche de certains d'entre eux qui leur donnent satisfaction, tout en étant relativement incapable de décrire ses plaisirs. L'homme, après l'orgasme, est capable de reprendre le cours de ses activités. La femme, en général, se retrouve en état de béatitude et de bien-être qui peut perdurer plus ou moins longtemps. C'est totalement vrai encore à l'heure actuelle. La femme sait qu'elle prend du plaisir dans l'acte sexuel, mais est généralement incapable de dire clairement ce qui lui fait du bien. C'est à l'homme d'être réceptif à ses actions, à ses réactions, pour savoir quoi lui faire pour qu'elle se sente épanouie. L'homme, lui, ne cherche qu'à faire l'amour pour l'acte sexuel. Et une fois qu'il a atteint l'orgasme, il est satisfait. La femme a besoin de beaucoup plus.
Je reprends, il est curieux de constater qu'au plus l'homme met du temps à atteindre l'orgasme, au plus la femme en sera satisfaite. Au plus vite il atteint l'orgasme, au moins la femme aura de chance d'atteindre le seuil de ses propres plaisirs. Ainsi, si la femme est capable de ressentir plusieurs fois l'orgasme, elle sera pleinement satisfaite avec un homme qui a besoin de temps pour atteindre le sien, puisqu'elle cherche et demande à continuer l'acte sexuel. Et c'est totalement vrai. Un homme qui jouit vite a tout intérêt à maîtriser l'art des caresses et du cunnilingus pour pouvoir continuer à donner du plaisir à sa partenaire jusqu'à ce qu'elle atteigne l'orgasme. Et s'il lui met du temps à jouir, la femme va progressivement s'habituer à ce plaisir et prendre de plus en plus de plaisir à l'acte sexuel. Mais on y reviendra. L'union de l'homme et la femme s'appelle la luxure. Lorsque le désir et la passion sont satisfaits, cela s'appelle la satisfaction mutuelle. Au début de l'acte, la femme sécrète un liquide qui s'estompe au gré de l'acte sexuel et qui permet l'accomplissement de celui-ci. Au plus elle est excitée, au plus ce liquide sera important et permettra un acte vigoureux et intense. Toujours au début de l'acte, tout comme au début de la vie de la femme, elle est capable d'avoir une relation sexuelle. Celle-ci est généralement incapable de supporter une pénétration vigoureuse et intense, parce que cela vient avec la pratique. Également, au plus l'acte perdure, au plus la femme s'abandonne et cesse de penser à son corps pour se concentrer sur le plaisir, au point de demander le coït plus fort et plus intense. Et surtout, qu'il ne s'arrête pas trop vite. Ceci dit, une fois qu'elle a atteint son seuil de plaisir, la femme est demandeuse que l'acte s'arrête, et l'homme devrait respecter ses désirs. Celui-ci devenant douloureux. Et c'est totalement vrai encore une fois. Dès que la femme a envie d'une relation sexuelle, cela se voit sur son corps et elle a le sexe humide. En début d'acte, soyez doux et délicat. Au plus elle va monter dans le plaisir, au plus vous pourrez être intense avec elle. Et une fois qu'elle a atteint l'orgasme et une fois que la femme dit qu'elle a atteint son seuil de plaisir, l'homme devrait la respecter et stopper. Reprenons. Comme la conscience du plaisir diffère chez l'homme et chez la femme, l'homme devrait être l'acteur, celui qui fait et qui agit. La femme devant être l'objet du plaisir que l'homme manipule pour la sublimer. Je fais une petite parenthèse. L'introduction du Dharma Artha Kama consiste à dire que la femme est comme un instrument de musique. Si elle est accordée comme il se faut et que l'homme sait en jouer, elle produira un son magnifique. J'ai rien à rajouter. Et donc, l'homme devrait être l'acteur, c'est-à-dire celui qui fait et qui agit, c'est-à-dire celui qui provoque le désir chez la femme, parce que la femme aime à se sentir désirée. Elle aime que l'homme s'occupe d'elle pour la sublimer, pour la rendre heureuse, pour qu'elle s'épanouisse. Reprenons, si l'acte sexuel vise à pleinement satisfaire les désirs de la femme, celle-ci se pourra se dire qu'elle est unie à cet homme et inversement. Si l'acte sexuel ne vise qu'au plaisir de l'homme sans mener la femme à la jouissance, la relation ne peut exister. Et c'est ce que je me tue à vous expliquer à travers l'intégralité des podcasts. L'acte sexuel, tout comme le couple, vise à l'épanouissement des deux partenaires. Si la relation ne va que dans un sens pour satisfaire les plaisirs seulement de l'un au détriment de l'autre, le couple ne peut pas se vivre, d'où l'importance d'être honnête avec son partenaire. Je reprends, si les deux prennent du plaisir dans l'acte sexuel, ils sont tous deux l'actifs de ce plaisir et tous deux sont l'objet à sublimer l'un pour l'autre, ce qui implique que la femme doit autant se laisser guider qu'être capable d'exprimer son plaisir pour que l'homme puisse se dire pleinement qu'il est uni à cette femme. L'important étant que les deux partenaires soient conscients d'avoir un plaisir à donner à l'autre autant que du plaisir qu'ils escomptent prendre de l'acte à venir, car au final, les deux cherchent à atteindre le même but, le plaisir ressenti et constaté chez l'autre autant que sur soi-même. Et c'est littéralement ce que je viens de vous dire. Tout ce que vous faites au sein de votre couple, que ce soit l'attention, les caresses, la tendresse ou l'acte sexuel, doit viser à vous faire plaisir et faire du bien à votre partenaire. Parce que le bien que vous faites à l'autre est le bien que vous vous faites à vous-même. Et surtout, si vous faites du bien à votre partenaire va vouloir vous faire du bien à son tour. Et donc, c'est un cycle. C'est un cycle épanouissant quand on le fait par plaisir.
Je reprends la lecture. En conséquence, la taille du sexe, l'intensité du désir et la vitesse à laquelle on atteint l'orgasme font autant de combinaisons de couples qui peuvent ou non fonctionner. Idéalement, le couple qui perdurera aura une cohérence de taille de sexe, un désir de même intensité et la même vitesse à atteindre l'orgasme, de sorte à ce qu'aucun des partenaires ne se sente frustré d'être tel qu'il est, avec ses besoins affectifs et ses besoins physiques. Je n'invente rien, c'est tiré d'un guide qui a plus de 1000 ans. Et c'est totalement vrai. Si vous avez un sexe démesuré par rapport à celui de votre partenaire, vous allez le blesser. La relation sexuelle n'aura pas lieu, vous allez vous sentir frustré, le couple meurt. Vous avez un sexe qui est trop petit et vous ne savez pas donner du plaisir autrement à votre partenaire, elle va se sentir frustrée, les relations sexuelles n'auront plus lieu, l'intimité n'aura plus sa place dans le couple et vous allez vous séparer. Si vous avez besoin de cette complicité, d'être proche, de toucher et de sentir l'autre près de vous alors qu'il n'en a pas besoin, vous n'aurez pas envie de la sexualité et vous n'aurez plus envie de vous occuper de votre partenaire, et vous allez vous éloigner. Si vous jouissez vite et que vous êtes incapable de prolonger l'orgasme, c'est votre partenaire qui n'atteindra pas le sien, et du coup il ne vous laissera plus l'approcher pour donner de la tendresse, de l'affection, qui vont mener à la sexualité, puisqu'il n'atteint pas l'orgasme. C'est tout à fait normal, le couple meurt. Je reprends la lecture. Il faut que l'homme comme la femme comprennent un état de fait. L'amour est une activité, que ce soit être avec l'autre ou l'acte sexuel. Si on ne le pratique pas, on ne peut pas prétendre aimer le faire. C'est exactement comme pour la chasse, la pêche, le dessin ou le jeu. On pratique ces activités parce qu'on les aime, on les refait par plaisir ressenti à les accomplir. L'amour est exactement la même chose, que ce soit pour les sentiments, l'envie ou le plaisir. Ce n'est qu'en les répétant qu'on les entretient et qu'on développe des compétences qui nous seront propres et adaptées à chaque individu. Ainsi, l'amour s'acquiert avec l'habitude de s'entendre dire qu'on est aimé et de dire qu'on aime. L'amour se développe avec l'imagination et la créativité, que les partenaires désirent y mettre. L'amour est une croyance en l'autre et ses paroles. L'amour résulte de ses prérogatives autant que du regard des autres sur celles-ci. Alors, je me permets une petite parenthèse. L'amour est effectivement une activité. C'est le jeu des adultes. Je reprends un vieil adage. L'enfant, comment est-ce qu'il s'épanouit ? En jouant. C'est en jouant, en étant avec d'autres enfants et en utilisant ce qui se trouve à sa portée, qu'il va découvrir le monde, découvrir son propre corps, sa place dans l'existence et progressivement grandir pour devenir un adulte qui a une conscience du monde qui l'entoure, de son corps et de comment utiliser ce qui se trouve autour de lui. Le problème, c'est que au plus on grandit, au plus la place du jeu, pour ce qu'il est, disparaît. Or, le jeu est ce qui nous permet de nous dissocier du poids du monde qui nous entoure, et donc c'est ce qui permet de se dire qu'on est vivant, qu'on a envie de s'amuser et qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, si le jeu innocent, donc jeu de société, rire, s'amuser, est réservé aux enfants, qu'est-ce qui reste comme jeu aux adultes ? Eh bien, le jeu de l'amour. C'est donc une activité que l'on pratique avec un partenaire qu'on a choisi et avec qui on va aller jusqu'au bout du jeu. Si on pratique le jeu de l'amour avec quelqu'un, c'est qu'on se sent suffisamment bien et suffisamment proche de cette personne que pour avoir envie de jouer avec lui. Alors, je ne dis pas que l'autre est le jouet. Je dis juste que vous allez jouer à deux sur la partition de ce qui vous fait du bien. Et ce qui fait du bien, c'est anticiper le plaisir qu'on va prendre avec l'autre. Et le plaisir que l'on va prendre avec l'autre passe par s'entendre dire qu'on est aimé, dire à l'autre qu'on l'aime, le prendre dans ses bras, lui faire des caresses, avoir de la tendresse envers lui, qui vont provoquer la sexualité, ou en tout cas le désir de sexualité. La sexualité étant l'accomplissement du jeu qui va pouvoir reprendre, parce que la sexualité crée le besoin et l'envie d'être près d'une personne, de lui dévoiler ses sentiments, pour continuer à avoir de la tendresse, des câlins, de l'attention, qui vont continuer à leur tour à donner l'envie de l'autre à travers la sexualité. Ainsi, quand on dit que l'amour se développe avec l'imagination et la créativité, c'est totalement vrai. Parce que
quand vous avez passé du temps avec l'autre, vous avez enregistré ce qu'il vous a dit et ce qui s'est fait. Et donc, quand vous n'êtes pas avec lui, votre cerveau imagine ce qui va se passer la prochaine fois que vous allez être avec. Et donc, c'est cette créativité qui devrait se vivre quand vous vous retrouvez avec votre partenaire. Et donc, si vous anticipez prendre du plaisir avec lui, on va prendre un exemple tout con. Vous êtes seul chez vous et vous vous dites « Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien être dans les bras de mon partenaire, je lui ferai des gros câlins et puis je l'embrasserai fort dans le cou. » Eh ben, quand vous allez retrouver votre partenaire, faites-le, parce que vous vous êtes imaginé cette situation. Votre objectif est de vivre cette situation. Quand on dit que l'amour est une croyance en l'autre et ses paroles, à nouveau, c'est totalement vrai. Si vous doutez de ce que votre partenaire vous dit, vous remettez en cause l'intégralité de votre relation. Si vous commencez à croire ce que votre partenaire vous dit, vous entretenez la relation et vous donnez plus de valeur à ses actes. Parce que ses actes sont le reflet de ce qu'il vous a dit, et ce qu'il vous a dit va provoquer l'envie et l'imagination autour de ce qui va se passer. Et c'est cette imagination que vous allez mettre en place et vivre. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Et donc, l'amour, le sentiment d'aimer quelqu'un, relève de tout cela. Si vous arrivez à développer un imaginaire autour de ce que votre partenaire vous dit et vous fait, vous allez pouvoir vivre cet imaginaire qui va provoquer le nouvel acte et faire perdurer les sentiments que vous avez les uns envers les autres. Ainsi, quand on dit que l'amour se vit à travers le regard des autres, c'est totalement vrai, parce que lorsque vous êtes aimé, vous êtes rayonnant, vous êtes de bonne humeur, vous êtes souriant, et les autres vont vous le dire. Et si les autres vous le disent, c'est que la relation dans laquelle vous êtes vous convient. Je reprends la lecture. Ainsi, construire l'amour par habitude se fait par la répétition des paroles sincères et des actes amoureux. Comme il n'est pas commun d'être aimé de la sorte, l'imagination habille les mots de l'autre autant que l'acte en lui-même. L'imagination crée l'envie et le désir d'être proche, d'anticiper et de se créer mentalement le plaisir à venir qui se concrétisera par les baisers, les embrassades précédant l'acte amoureux. Et c'est littéralement ce que je viens de vous dire. Si l'habitude se crée d'entendre dire qu'on est aimé, on finit par croire qu'on est aimé. Le problème, c'est que le monde dans lequel on vit n'est pas fait pour être aimé. On vit oppressé, on vit stressé, et donc les paroles de l'autre ont une tendance à être rares. Et les paroles d'amour ont une tendance à être oubliées. Or, quand on commence à ressortir ces mots et ces paroles qui démontrent l'affectif qu'on a pour quelqu'un, et donc qu'on est en couple et qu'on dévoile ses sentiments et qu'on installe cette tendresse, l'imagination va créer le désir et cette imagination doit être vécue. Et si vous vivez ce que vous ressentez, bah vous concrétisez les mots qui ont été dits autant par vous que par votre partenaire. Ainsi, l'amour avec un grand A, dit réciproque, est vrai lorsque les deux partenaires se considèrent comme exclusivement à l'autre, croyant les paroles et prenant plaisir à anticiper les actes à venir. Et c'est totalement vrai. Si vous voulez que votre amour, donc que la relation que vous avez créée soit sincère, vous devez vous considérer comme exclusivement à votre partenaire. C'est la seule personne qui a le droit de vous dire à quel point il vous aime, c'est la seule personne qui a le droit de vous toucher et donc de pratiquer l'amour. Et inversement, votre partenaire est la seule personne à qui vous pouvez vous dévoiler, que vous pouvez toucher et avec qui vous pouvez pratiquer la sexualité. Si vous croyez ce que votre partenaire dit et si vous êtes sincère dans ce que vous lui dites, eh bien, naturellement, votre cerveau va anticiper les prochaines relations que vous allez avoir avec votre partenaire, la prochaine fois que vous allez vous voir, tout ce qui pourrait se passer, et il vous appartient de les vivre. Si vous les vivez, vous continuez à entretenir le désir, et au plus vous entretenez le désir, au plus vous faites créer, vous faites fonctionner votre imaginaire qui va vous stimuler à continuer à aimer votre partenaire parce que vous vivez le fantasme que vous avez créé. En effet, ainsi, on vit à travers ce que l'on fait et ce que l'on dit.
Ainsi, l'amour démontré se constate à travers le regard des autres. Si autrui vous trouve épanoui et vous le signifie, c'est que l'acte d'amour en parole et physique vous convient. Et c'est ce que je disais il n'y a pas 5 minutes. Si vous êtes épanoui, si vous êtes réellement bien avec votre partenaire, vous rayonnez, vous êtes souriant. Et les autres vont vous le dire. Si les autres vous confirment ce sentiment de bien-être, c'est que votre relation est vraiment importante à vos yeux. Au contraire, si vous ne vous retrouvez pas dans cette description de l'amour sous ses différentes formes, c'est que votre couple ne vous procure pas le bonheur auquel vous avez droit. À nouveau, c'est tiré d'un ouvrage qui a plus de 1000 ans. Il reconnaît le droit au bonheur autant à l'homme qu'à la femme. Et par bonheur est entendu être respecté, avoir une relation qui soit épanouissante, dans laquelle on va retrouver de la tendresse, des câlins, des mots doux et un acte sexuel. Parce que c'est l'ensemble de tout cela qui fait qu'on est considéré et qu'on a une valeur, qu'on est important aux yeux d'une autre personne. Puisqu'on a établi que la sexualité doit être réservée à son partenaire. Et que pour avoir un partenaire, il faut avoir formé un couple. Voilà. On va se pencher 2 secondes sur un autre bouquin qui a à peu près le même âge que l'Artha Dharma Karta, et c'est le l'Anangaramma. Ainsi, il étudie différentes sortes d'hommes et de femmes et les différentes relations qui sont plausibles entre les partenaires. Également, c'est un bouquin qui était enseigné essentiellement aux hommes pour qu'ils puissent se choisir une femme qui va leur correspondre. Comme expliqué dans l'introduction, la créer une relation se fait, en tout cas se faisait à cette époque, uniquement par le fait de regarder l'autre. Et donc c'est sa corpulence et sa manière d'être qui va faire qu'on va se sentir attiré vers cette personne et pouvoir éventuellement former un couple. Le but du guide ici est que l'homme puisse savoir où il se situe sur le plan morphologique pour pouvoir trouver une femme dont la morphologie va lui convenir. Ainsi, c'est triste à dire, mais c'est la taille de son sexe qui va définir l'intégralité de sa corpulence et de sa manière d'être. Ainsi, on retrouve l'homme lièvre. L'érection de son lingam n'excède pas 6 largeurs de doigts. Il est de petite taille, maigre et bien proportionné. Ses membres sont petits, ses traits sont clairs et réguliers. Il est modéré dans ses désirs charnels et n'a rien de reprochable dans sa vie. Ainsi, l'homme lièvre, si on le traduit dans un français un peu plus cohérent, est quelqu'un qui est petit, qui est relativement maigre et d'une certaine manière, sa corpulence générale fait qu'il a un sexe de petite taille. L'homme taureau se reconnaît à un lingam de 9 largeurs de doigts, ou 4 pouces et demi. Son corps est robuste et souple comme celui d'une tortue. Sa poitrine est charnue, son ventre est dur, son front est élevé, ses yeux sont grands et les paumes de sa main sont rouges. Il est d'un tempérament cruel et violent, impatient, irascible. Pour le pire des cas. Ainsi, l'homme taureau, c'est la personne qui est corpulente, robuste, mais souple. On le reconnaît donc avec un visage qui est relativement étendu, des yeux qui sont très grands, un front qui est de haute taille et des mains qui sont très larges. Pas forcément, il aura un sexe qui est plus proportionné, en tout cas plus grand et plus large que l'homme lièvre. Et le troisième type d'homme est l'homme cheval. Il a un lingam de 12 doigts environ, donc 6 pouces. Il est grand, bien charpenté, mais point charnu. Il affectionne les femmes corpulentes et robustes, jamais celles de forme délicate. Son corps est dur comme le fer, sa poitrine est large, pleine et musculaire. Son corps au-dessus des hanches est long et il se préoccupe peu du rite vénérien, si ce n'est à l'approche du spasme. En français plus cohérent, cela veut dire que si vous êtes très grand, charpenté, mais pas démesurément musclé, et que vous affectionnez les femmes qui sont plus rondes, et rarement, pour ne pas dire jamais, les femmes qui sont plus fines, voire de très maigre corpulence, que votre corps est très dur et que vous avez une poitrine large et une musculature bien formée,
bah, vous avez un sexe qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus vigoureux. Et d'une certaine manière, c'est totalement logique tout ça. Parce que si une femme doit se choisir un homme, si elle connaît sa propre morphologie, elle se laissera approcher par un homme qui correspond à sa morphologie. Et comme il faut bien expliquer à l'autre ce qui va l'attendre au niveau de la surprise en dessous des vêtements, on va le dire comme ça, il est important de pouvoir identifier le type de sexualité qui va se passer en voyant la personne. Et donc une personne qui est petite aura probablement, pour ne pas dire certainement, un petit sexe. Une personne qui est plus large, avec un très grand visage, aura un sexe qui sera plus épais, une personne qui est très grande, qui est très charpentée et qui a une carrure, on va dire, de balèze, aura un sexe qui sera beaucoup plus large. Et donc, la femme, ça c'est la partie qui leur était enseignée, existe également sous trois formes. On retrouve la femme biche qui a un yoni, donc un vagin d'une profondeur de 6 doigts. Son corps est délicat, juvénile, doux et tendre. Sa poitrine se tient bien, son estomac est mince et rentré. Ses cuisses et son mont de Vénus sont charnues. Le dessous de ses hanches est solide, les bras sont forts et arrondis. Et sa voix est celle de l'oiseau Calica. Son allure a le balancement de l'éléphant. Elle est affectionnée, mais jalouse. Elle a l'esprit actif lorsque ses passions ne la dominent pas. C'est la femme qui est svelte, fine et délicate. Voilà. L'homme doit savoir que quand il voit une femme d'une faible corpulence, si lui est monté comme un ours, donc qu'il est un homme taureau ou un homme cheval, l'acte sexuel risque bien d'être douloureux, voire très douloureux pour la femme dite biche. Ainsi, on retrouve la femme jument qui a un yoni d'une profondeur de 9 doigts. Ses seins et ses lèvres sont forts et charnus. Sa tête est couverte d'une chevelure longue et lisse. Elle marche avec grâce. Elle n'arrive pas aisément au spasme vénérien. Et ça, c'est la femme qui est un peu plus charpentée que la femme biche, sans être pour autant grosse, et elle aura besoin d'un homme qui est dit un homme taureau, parce qu'un homme dit lièvre aura un sexe trop petit et il n'aura pas la vigueur suffisante que pour l'amener à l'orgasme, et un homme cheval aura un sexe trop grand pour le sien et risquerait de la blesser. Ainsi, il reste la femme éléphant qui a un yoni d'une profondeur de 12 doigts, qui a des seins énormes, des cheveux épais et un désir charnel qui l'excite et la tourmente au point qu'elle est difficilement satisfaite, qu'il lui faut un acte prolongé et démesuré. C'est la femme qui est plus forte et généralement une femme plus forte a effectivement des désirs plus intenses et plus prononcés et donc une femme plus forte aura besoin d'un homme soit dit taureau, soit dit cheval pour atteindre l'orgasme, parce que l'homme lièvre aura un sexe trop petit et n'aura pas la vigueur suffisante que pour pouvoir la mener à l'orgasme. Ce guide continue en expliquant les symptômes de l'orgasme chez la femme, que je trouve très joliment dit. Dès que la femme commence le plaisir, ses yeux se ferment à demi, il s'humecte de larmes, son corps devient froid, sa respiration, d'abord dure et saccadée, se perd en sanglots ou en soupirs. Ses membres inférieurs, après une période de rigidité, s'étirent, puis c'est une effervescence d'amour et d'affection, avec force, baisers et gestes passionnés, et finalement, elle semble s'évanouir. Voilà, si vous cherchez une description de ce qu'est l'orgasme féminin, celle-là est très jolie, je trouve, et toujours d'actualité. Ainsi, toujours d'après ce guide, il est 5 conditions pour que l'acte charnel ait lieu et soit agréable. C'est-à-dire qu'on reconnaît que soit les deux amants prennent du plaisir et il y a une satisfaction charnelle chez les deux, soit l'homme ne prend pas complètement son plaisir parce que l'acte charnel est pénible et difficile, et il y a une insatisfaction chez madame. Il y a l'acte qui est inférieur chez l'amant, c'est-à-dire qu'il n'y prend pas de plaisir, et cela ne procure pas de plaisir aux deux amants. Également, il y a un excès de plaisir chez l'amant ou un excès de plaisir chez l'amante, au détriment de l'un ou de l'autre.
Et c'est totalement vrai. Si vous pratiquez l'acte charnel dans le but que les deux prennent du plaisir, la relation sera épanouissante pour les deux. Si l'homme a du mal à pratiquer la sexualité, la femme ne sera pas satisfaite. De même, si la femme a du mal à atteindre l'orgasme et que l'homme n'est pas suffisamment vigoureux que pour lui apporter du plaisir, bah ça va pas le faire. Et si un des deux pratique la sexualité pour son seul et unique plaisir, la relation va à sens unique. Ça marchera pas. Ainsi, il est trois conditions selon lesquelles l'acte charnel peut s'opérer en fonction des dimensions du yoni et du lingan, donc de la taille du sexe de l'homme et de femme. Ainsi, on a l'uttama, qui est la meilleure des conditions, le madhyama, qui est la condition médiane pour copuler, et la kanista, qui est la pire des conditions. Et donc, si on reprend les classifications, si l'homme lièvre se met avec une femme biche, ce sera la meilleure des conditions. Et c'est logique, parce qu'il a un petit sexe et elle a un petit vagin. Si l'homme lièvre se met avec une femme jument, la condition sera médiane. Si l'homme maîtrise les différentes positions et l'art de la sexualité, il pourra l'amener à l'orgasme. Mais s'il ne les maîtrise pas, ça ne marchera pas. Et ainsi, si l'homme lièvre se met avec une femme éléphant, il aura beau faire ce qu'il veut, il n'arrivera pas à la mener à l'orgasme. Ainsi, si l'homme taureau se met avec une femme jument, ce sera la relation parfaite. S'il se met avec une araignée, c'est-à-dire avec une femme biche, ce sera une condition médium. S'il se met avec une carinie, donc la femme éléphant, ben ce sera la pire des conditions. Et c'est normal. L'homme taureau a un sexe de taille moyenne. S'il se met avec une femme qui est de faible constitution physique, donc mince et relativement petite, ben ça risque de pas tout à fait le faire. Et s'il se met avec une femme qui a un vagin très grand, donc qui est corpulente et qui désire l'acte sexuel intense, bah ça risque de pas tout à fait le faire non plus. Et enfin, si l'homme cheval se met avec une carinie, donc avec une femme éléphant, ce sera la relation parfaite, parce qu'il a un grand sexe et elle a également un vagin profond, donc les deux sont harmonieux. S'il se met avec une ashvini, c'est-à-dire une femme jument, ce serait une condition médiane. L'homme doit faire attention à ce qu'il fait parce qu'il pourrait blesser la femme. Et s'il se met avec une harini, donc une femme biche, une femme maigre et de faible corpulence physique, ben ce sera la pire des relations parce que chaque acte sexuel sera blessant pour la femme. Ainsi, ce guide nous décrit les trois types d'émissions de salive d'amour de la femme, qui peut durer un long moment, durer une courte période ou se terminer promptement. Alors, le guide explique que c'est à l'homme de s'occuper de la femme et de faire en sorte que sa salive, donc sa sécrétion vaginale, soit intense et de savoir en profiter correctement. Malheureusement, on sait maintenant que c'est une question qui est purement génétique et malheureusement, on a beau y faire ce qu'on veut, la nature nous a fait comme on est et point à la ligne. C'est pour ça qu'on a inventé le lubrifiant. Alors, on reprend, le guide explique trois forces de désir charnel, c'est-à-dire la capacité de jouissance. Ainsi, on peut avoir un appétit qui entraîne l'agissement furieux, un désir modéré, ou avoir une concupiscence et pouvoir jouer. Ainsi, la femme qui recherche toujours le plaisir charnel et qu'il lui faut jouir fréquemment, et qu'un seul orgasme ne lui suffit point, est vite hors d'elle-même si elle en est privée. C'est-à-dire, c'est une femme chanda vega. C'est celle qui a un appétit sexuel très large. La femme qui est dite manda vega, c'est-à-dire celle qui a un désir modéré, est peu disposée à la jouissance et a une tendance à la refuser à son amant. C'est elle qui propose quand elle en a l'envie. La femme qui est dite maida vega, c'est-à-dire la concupiscente, est la plus heureuse de toutes, parce qu'elle est libre de pouvoir osciller entre l'un et l'autre excès. Et honnêtement, l'homme qui a une femme qui passe par la phase d'avoir besoin de sexualité et qui est capable de dire non
pour faire monter le désir jusqu'au moment où elle en a tellement envie que c'est elle qui le propose, est un homme comblé. Ainsi, il est trois procédés qui produisent l'orgasme, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de longs efforts pour produire un résultat, ceux qui agissent dans un temps modéré et ceux qui agissent rapidement. Et ce guide explique donc que le couple harmonieux dépend de l'intégralité de ces différents paramètres et il faut que les deux partenaires soient sur le même type de besoin et la même morphologie pour que le couple puisse s'épanouir. Et c'est totalement logique. J'aimerais terminer ce petit podcast, enfin petit podcast qui fait déjà presque une heure, par le parfumé de Garden, qui lui aussi vaut le détour. Ainsi, on nous explique qu'avant l'acte en lui-même, il faut prendre le temps de jouer avec sa femme, la caresser, la chatouiller, l'embrasser. De cette manière, le plaisir sera mutuel. Embrasser ses joues, sucer ses lèvres, mordiller ses seins, promener votre langue autour de son nombril, mordiller ses bras, ne négligez aucune partie de son corps. Accrochez-vous à sa poitrine et soyez soumis à ce qui lui plaît d'être fait. N'hésitez pas à entrelacer vos jambes dans les siennes et serrez-la dans vos bras. J'ai envie de dire que ça, c'est la description de faire un câlin à l'autre, de faire en sorte qu'il se sente intégré dans votre monde, qu'il se sente accepté et qu'il ressente ce besoin que vous avez d'être avec lui et de prendre du plaisir avec lui. Ainsi, jouer avec son partenaire en le caressant, en le chatouillant, en l'embrassant, c'est une manière de lui montrer l'affectif. C'est lui faire un câlin. Embrasser ses joues, sucer ses lèvres et mordiller ses seins, c'est lui signifier qu'on a besoin de cette intimité et qu'on crée cette intimité, qu'on provoque le désir. Dès qu'on commence à promener sa langue autour du nombril et qu'on commence à mordiller les bras, ben c'est les prémices de l'acte sexuel. Quand on dit que l'homme devrait être soumis à ce qui plaît d'être fait par la femme, c'est totalement vrai. L'homme devrait être réceptif à ce qui fait frémir la femme et se concentrer à faire cela en priorité. Parce qu'au final, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la femme ait envie. Et pour qu'elle ait envie, il faut faire ce qui lui donne du plaisir. Parce que c'est le plaisir que vous lui donnez qui va lui faire avoir envie de plus de plaisir. Et plus de plaisir signifie la sexualité. Ainsi, le poète a dit que sous son cou, sa main droite lui servait de coussin et de sa main gauche, il l'attirait vers lui, la portant comme dans un lit. C'est une si belle description de l'art et la manière de basculer du câlin à l'acte sexuel, simplement en tenant son partenaire et en sachant utiliser son corps. Je reprends la lecture. Quand vous êtes proche d'une femme et que vous voyez ses yeux s'obscurcir, l'entendre aspirer et expirer l'air qu'elle respire, la voir s'étirer et soupirer profondément, puis relâcher sa respiration, c'est qu'elle est en désir d'atteindre le plaisir. En fait, si vous voyez votre femme pousser de profonds soupirs, rougir et avoir les yeux dans le vague et que ses mouvements deviennent insouciants, qu'elle semble prompte à s'endormir, s'adonnant au bâillement, sachez que c'est là le bon moment pour passer au jeu de l'amour. Et ça, messieurs, vous devez le comprendre. Quand vous voyez votre partenaire agir de cette manière, c'est sa manière instinctive, primaire, de dire « j'ai envie qu'on passe à autre chose, qu'on passe à la sexualité, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'affection ». Agir comme ça, c'est crier à l'autre « j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, j'ai besoin que tu me fasses du bien ». Voilà. Messieurs, vous devez comprendre que la femme est comme un fruit. Elle ne donnera sa douceur que si vous êtes doux avec elle. La femme est comme le basilic. Si vous ne savez pas la manipuler de vos doigts, elle n'émettra aucune saveur. Elle est comme l'ambre. Si vous ne savez pas la réchauffer, ses plaisirs resteront cachés. Ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous êtes incapable d'aimer la femme en jouant avec elle, en l'embrassant, en la touchant, vous n'obtiendrez rien de leur part et n'aurez aucun plaisir avec elle. Vous n'éveillerez aucune passion chez elle et aucun amour. De fait, tous les bienfaits qu'une femme pourrait vous apporter vous seront et resteront cachés. Et c'est totalement vrai. Si vous n'êtes pas doux et affectueux avec votre partenaire,
il ne se passera rien, vous ne provoquerez pas le désir. Si vous êtes incapable de faire des caresses et de prendre votre partenaire dans vos droits, dans vos bras, pardon, l'envie d'être dans vos bras et de se laisser embrasser, de se laisser toucher, ne se créera pas. Si vous ne touchez pas votre partenaire, si vous n'êtes pas capable de transmettre votre affectif à travers des caresses et de la tendresse, eh ben, la sexualité vous sera fermée. C'est l'ensemble de tout ça qui crée le besoin et l'envie. Je reprends. Ainsi, lorsqu'on demande à une femme le moyen de créer son affection, elle vous répondra qu'il faut l'écouter, autant parler que son corps, prendre plaisir à la toucher, autant que prendre du plaisir à la toucher comme elle l'aime, car chaque femme aime des plaisirs différents. L'homme devra surtout faire en sorte qu'elle se sente désirée, ce qui veut dire la prendre dans ses bras, sans même avoir de raison, parce que c'est le cumul de tout cela qui donne naissance à l'amour. Si la femme reçoit ses affections autant que la jouissance pleine qui en découle, cette femme vous aimera. En français, ça veut dire que si vous voulez avoir l'affection et le droit à la sexualité avec votre partenaire, vous devez être à son écoute, comprendre et agir en fonction de ce qu'elle vous dit. Elle ou il, hein, parce que ça marche dans les deux sens, on est bien d'accord. Vous devez savoir décrypter le langage corporel. Vous devez prendre plaisir à être avec votre partenaire et prendre du plaisir à la ou le cajoler. Il faut être conscient que ce qui plaît à l'une n'est pas forcément ce qui plaira à l'autre. Donc, si vous n'êtes pas réceptif à la manière de réagir de votre partenaire à ce que vous lui faites, ben vous ne lui apporterez pas ce qu'il a besoin. Et si vous voulez que votre partenaire se sente désiré, vous devez combler ses besoins. Donc vous devez être à son écoute. La tendresse et l'affectif, donc les câlins, les baisers, doivent se faire sans raison, à la moindre opportunité. Parce que c'est tout ça, c'est le cumul de toutes ces petites attentions données au gré de la journée, au gré de la soirée, au gré de la nuit, au réveil, n'importe quand, qui font que l'amour se développe. Si vous donnez ce genre d'affection à votre partenaire, vous serez aimé. Si vous ne donnez pas ces affections, votre partenaire va se considérer comme un objet qui sert à la jouissance et va finir par ne plus vous aimer et s'éloigner. Je reprends la lecture. Également, au moment de prendre du plaisir avec une femme, prenez soin de son corps et ne soyez préoccupé que par son plaisir. Ne laissez rien d'autre occuper vos pensées à ce moment-là. Je refais une parenthèse, c'est totalement vrai. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, quand vous avez l'envie de prendre soin de lui, soyez préoccupé par lui. C'est-à-dire que si vous êtes installé devant la télé et que vous décidez de faire des caresses à votre partenaire, donc que vous étendez un bras et vous le passez derrière sa tête, et puis vous commencez à caresser son torse, à caresser son bras, ça veut dire que le film ne vous intéresse plus et que votre partenaire devient votre seul et unique centre d'intérêt. Et ça marche pour tout, même pour la sexualité. Si au moment de passer à l'acte sexuel, vous vous dites « putain, j'irai bien faire les courses après », c'est mort. Vous ne donnez plus aucun plaisir à votre partenaire parce que vous n'êtes plus à ce que vous faites. Je reprends donc la lecture. Soyez réceptif au message de votre partenaire, surtout de la femme. Lorsqu'elle veut faire l'amour, soyez présent et ne manquez aucune opportunité, car en manquer une fait que la femme se sent moins désirée et s'éloigne progressivement de vous. Et c'est totalement vrai. J'insiste là-dessus, si votre partenaire vous manifeste d'une manière ou d'une autre un besoin affectif, qu'il soit donc de câlin, l'envie d'être embrassé ou l'envie d'acte sexuel, faites-le, parce que vous en loupez ne fût-ce qu'un de ces signes et votre partenaire va intégrer qu'il n'est pas si important que ça. Et une fois que votre partenaire a intégré une fois, deux fois, trois fois qu'il passe après autre chose, eh bien, il commence à se désintéresser, vous, parce qu'il n'est plus votre priorité. Je reprends. Enfin, après l'acte, restez près de la femme. Ne vous levez pas et ne partez pas rapidement. Continuez de la cajoler, vous trouverez cela aussi agréable qu'elle. Partir rapidement après l'amour prive de tous les plaisirs reçus et escompte le sentiment d'amour qui y est lié.
C'est totalement vrai. C'est-à-dire que si après l'acte sexuel, vous vous levez et vous revaquez à vos occupations, vous manifestez à l'autre le fait qu'il est un objet. C'est triste à dire, mais c'est la dernière chose que vous voulez qu'il arrive. Votre partenaire doit sentir que l'acte sexuel se prolonge et redevient des caresses, de la tendresse, même s'il ne remène pas à un second acte sexuel immédiat, il doit réouvrir la porte de la tendresse et de l'acceptation de l'autre et de l'intégration de l'autre dans votre vie. Ainsi, comme dit, pour que l'acte d'amour ait lieu, il faut que la femme se sente désirée. L'homme doit donc prendre plaisir à lui faire des câlins et à lui manifester de la tendresse. Si votre partenaire ne se sent pas désiré constamment, votre couple va mourir. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer à travers ce gros podcast. Mais je trouvais ça assez intéressant de revenir sur les anciennes théories qui, pour rappel, datent de plusieurs centaines d'années et qui sont encore totalement vraies. Si vous souhaitez lire ces ouvrages traduits en français, je vous informe que j'en ai fait des traductions sur le site. Je vous mets les liens dans la description et je vous dis rendez-vous dans un prochain podcast où on va parler justement des fameux préliminaires, donc de revenir un petit peu sur l'importance des caresses, comment érotiser son quotidien, les chatouilles et encore d'autres petits jeux du style les griffures, les morsures, où les faire et comment les pratiquer. Parce que, au final, si l'autre et le couple permet de jouer au jeu de l'amour, le corps de l'autre, c'est un peu votre plateau de jeu. Et marquer votre territoire et marquer le corps de l'autre d'une manière sobre, c'est une manière de lui signifier qu'il vous appartient et à personne d'autre. Et croyez-moi, ce genre de jeu vaut également le détour. Mais bon, assez spoilé, chaque chose a son étape. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Épanouissez-vous!